Isabelle Matuidi partage depuis plusieurs années la vie du désormais retraité Blaise Matuidi que les téléspectateurs retrouveront à l'occasion d'un nouveau numéro de Qui veut être mon associé ? Ce mercredi 25 janvier sur M6. M6 diffuse ce mercredi 25 janvier le quatrième épisode de Qui veut être mon associé ? Avec notamment un invité de marque, Blaise Matuidi. L'ex-international français et champion du monde 2018 se retrouve au rang des investisseurs pour avoir lui-même monté son propre fonds d'investissement. Blaise a eu la gentillesse de participer pour une émission spéciale que vous verrez sur une soirée entière, a déclaré le producteur Jérémy Henriet lors de la présentation presse de l'émission. D'ailleurs, ironie du sort, Blaise Matuidi est lui-même marié depuis 2017 à une entrepreneuse prénommée Isabelle Malice alias Isabelle Matuidi. Celle-ci est ostéopathe depuis plusieurs années. Elle a même créé un centre sportif et de bien-être nommé Gimini en 2016. Isabelle Matuidi a rencontré Blaise à l'âge de 16 ans régulièrement présente dans les tribunes lorsque son mari Blaise était footballeur. Isabelle Matuidi l'a rencontré à Troyes en 2003 à l'âge de 16 ans. À l'époque, le jeune homme intégrait le centre de formation à l'Étroit AC. Il y est resté jusqu'en 2007. Pendant ce temps, la jeune femme était au lycée. Je sentais que c'était l'amour de ma vie, avait-elle déclaré dans une interview à Elle. Mais je me disais que c'était trop tôt, qu'il fallait que je connaisse d'autres choses avant que je passe mon bac. Du coup, il a été hyper tactique. Il ne m'a plus calculé du tout. Plus jamais rappelé. 2 mois après, mon bac en poche, si estime-moi qui suis revenu vers lui et on ne cesse plus quitter. Le début d'une grande histoire d'amour. Une vie heureuse à Miami avec son mari Blaise et leurs 4 enfants. Cette histoire d'amour naissante entre Isabelle et Blaise les a ensuite menés à la naissance de leur premier enfant Miliane, née en 2010. Puis de leurs 3 autres enfants, Naël, né en 2013, Eden, né en 2015, et Nala Ivy, né en 2021, mais aussi à leur mariage à l'été 2017. Depuis, ils se sont installés à Miami. Si estime même là-bas qu'Isabelle Matuidi a partagé son quotidien de femme de footballeur à l'occasion de l'émission Championne, famille de footballeurs diffusée sur TFX en juin 2021. Elle avait déclaré à propos de sa nouvelle vie avec le footballeur, « On est tellement plus à la cool. On peut profiter encore plus de nos moments simples. Ce changement est très agréable. Je ne dirais pas que le passé n'était pas bien, ce n'est pas vrai. Mais le présent est mieux. Un présent qu'elle a encore le bonheur de partager avec son mari Blaise et leurs 4 enfants. À lire aussi vous êtes cinglé ? Blaise Matuidi et les investisseurs de Qui veut être mon associé ? Stupéfait devant ses entrepreneurs.